Il y a 23 ans à Monaco, le 9 décembre plus précisément, Élodie Gossuin remportait le prestigieux concours Miss France sous les yeux de Geneviève de Fontenay. En cette date symbolique, la star s'est saisie de sa plume pour lui rendre hommage. Une figure emblématique du comité Miss France qui s'est étalée. Le 2 août dernier, l'illustre clan de Geneviève de Fontenay annonçait à TF1 LCI que l'ex-présidente du célèbre concours de beauté avait rendu la veille son dernier souffle à l'âge de 90 ans. Si esti dans son domicile situé à Saint-Cloud que la dame au chapeau s'est éteinte des suites d'un arrêt cardiaque. Ses obsèques organisées en région parisienne ont été organisées dans la plus stricte intimité. Aucune Miss France n'a d'ailleurs été conviée à son inhumation orchestrée au cimetière d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Un souhait que Geneviève de Fontenay avait émis de son vivant. « Pas de cérémonie », nous avait-elle confié en 2022. « J'avais été choquée parce que j'ai vu maintenant qu'on applaudissait quand le cercueil est apporté. Je ne voudrais pas qu'on m'applaudisse quand je serai dans le cercueil. Les gens qui veulent venir, ils viendront après au cimetière. » De son côté dans les colonnes de ciné-télé-revue, son ancien assistant, Hubert Guérin avait évoqué ses querelles passées avec d'anciennes protégées. Élodie Gossuin ouvre son cœur. Je ne pense pas qu'elle attendait les hommages de Nathalie Marquet ou de Sylvie Tellier, a-t-elle confié peu de temps après la mort de Geneviève de Fontenay. C'est pour ça aussi qu'elle ne voulait pas de cérémonie. Elle disait que ce serait le bal des hypocrites, qu'elle ne verrait de toute façon rien et qu'elle ne serait pas là pour leur répondre. Toutefois, la veuve de Louis Poirot avait noué des liens forts avec Élodie Gossuin, élue Miss France 2001. Dans les bons comme les mauvais moments, l'une et l'autre se sont constamment soutenues. Ce 9 décembre 2023 sur Instagram, l'épouse de Bertrand Lachery était d'humeur nostalgique. Il y a 23 ans à Monaco, la pétillante blonde qui défendait les couleurs de la Picardie a décroché son écharpe de Miss France. Via son feed, Élodie Gossuin a naturellement partagé des images d'archives de cette soirée inoubliable présidée par Alain Delon, monstre sacré du 7e art. Présente le jour de son élection, la prédécesseur de Sylvie Tellier l'a tout de suite prise sous son aile. Miss Versailles. Le premier sans vous ma Geneviève, a inscrit l'heureuse maman de 4 enfants en légende de sa bouleversante publication. Merci à tous ceux qui ont voté pour la Picardie il y a 23 ans. Je savoure chaque jour le bonheur de temps partagé avec vous depuis ce 9 décembre 2000. Je vous aime. Un bel hommage qui a ému l'ensemble de ses abonnés. Thank you.